Cela faisait 3 ans qu'il n'avait pas eu lieu. Le festival d'Aurillac, c'est reparti. Le public est, me semble, très content de retrouver des choses. En fait, ils ont très très envie de voir du spectacle et ils sont hyper accueillants, plus accueillants qu'ils l'ont jamais été, j'ai l'impression. Et ils sont à fond avec nous. On a tous traversé une sale période et on a tous envie de passer à autre chose. Ça, c'est vrai. Et je trouve que ça se ressent vachement en fait dans le rapport public-artiste. C'est chouette. Celui qui le dit, c'est Dimitri Lovi de la compagnie clermontoise Brasse de l'air. Avec Marine Gann, il propose une version électrique et revisitée de Roméo et Juliette. Appelle-moi seulement ton amour. Désormais, je ne suis plus Roméo. Quel homme es-tu? Toi qui es assis caché par la nuit, de te heurter à mon secret. Mais elle est conne. Non. Il fait nuit, elle a 13 ans, elle n'est pas encore habituée. Enfin bref, le romantisme de la scène te passe au-dessus, on va enchaîner. Bon d'accord, peut-être ça me passe au-dessus, je vais quand même vous résumer la fin de la scène. Alors là, il y a Juliette qui fait « Ah, Roméo, je t'aime trop !» Et Roméo, il fait « Ah, Juliette, moi aussi !» Et là, Juliette, elle fait « Ah, Roméo, eh ben on se marie !» Roméo file donc au petit matin voir le frère Laurence. Si on fait du théâtre de rue, c'est pour parler à tout le monde. Et comme nous, notre truc, c'est le théâtre et qu'il y a plein de gens qui ont peur d'aller dans les salles, on s'est dit, on va leur faire des grands classiques de salles, mais pour eux, dans la rue. Et on l'a vu, on était en voyage en Angleterre et on a vu Roméo et Juliette au Shakespeare Globe. Et on les a vus travailler dans ce lieu qui est quand même un musée du Shakespeare. Et on s'est dit, en fait, on fait exactement la même chose. Le rapport au public, l'efficacité du truc, le rythme, on a fait, ok. Alors si eux, ils font ça, si ils le font, on peut le faire aussi, ouais. Changement d'ambiance avec le danseur Kim Bigas qui offre un travail autour de la joie et du bonheur, visiblement communicatif. Rendez-vous demain, nouvelle journée, nouvelle déambulation.